voulez poser des questions, il y a deux micros dans la salle. Alors, si, parce qu'autrement, moi, j'en ai plein de questions, donc vous inquiétez pas. Allez-y, juste devant. Merci, bonjour, je suis le docteur Klein-Obrel. Je voudrais juste apporter une petite note d'espoir là, dans cette réunion, puisqu'on a parlé de la déferlante des maladies chroniques. Et il y a une deuxième déferlante qui est le téléphone portable. Et donc, comme on a évoqué les difficultés d'information, de manque d'information, par exemple des femmes sur l'espoir de guérir, de ne pas avoir une ablation du sein, sur le dépistage précoce, etc. On a parlé de l'accès aux formations des professionnels de santé dans le bas de la pyramide, etc. Et tout ceci, quand même, peut être facilement amélioré par les nouvelles technologies. Donc, en deux mots, juste parce que ça a été pris en charge au niveau international par l'Organisation mondiale de la santé, conjointement avec l'Union internationale des télécoms, c'est très important que pour la première fois, ce soit deux agences de l'ONU qui travaillent ensemble. Ça, c'est une première. Et donc, qui ont décidé de lancer ce programme dans 8 pays dans le monde qui s'appelle Be Healthy, Be Mobile, dans le jeu de mots, pour lutter contre les facteurs de risque communs des maladies chroniques. Et parmi ces 8 pays, chaque pays a choisi une thématique parmi les maladies chroniques. Et il y a un pays francophone sur les 8, c'est le Sénégal, qui a choisi le diabète, avec le programme M-Diabète. Et donc, on attend les résultats, mais c'est déjà quelque chose qui est expérimenté pour les différents axes, que ce soit la sensibilisation pour améliorer le dépistage précoce, hein, puisqu'on sait qu'il y a à peu près un diabétique sur deux qui ne sait pas qu'il est diabétique, les professionnels de santé et le coaching des patients pour améliorer justement la performance du système de santé. Voilà, donc à suivre sur les sites de l'OMS. Merci, vous passez votre micro à votre voisin qui voulait intervenir. Oui, Jean-Jacques Robert, je suis pédiatre diabétologue. Donc je pense que c'est utile de donner un regard pédiatrique, car non seulement sur le diabète, mais sur l'ensemble des maladies chroniques, car les maladies chroniques chez l'enfant, ce n'est pas du tout ce qu'on a décrit jusqu'à présent. Ce n'est pas des millions de personnes et des centaines de millions de personnes, ce sont d'abord des tout petits nombres. En France, le diabète, c'est 20 000 enfants pour 3 millions de personnes qui ont un diabète. Et c'est la plus fréquente des maladies chroniques. Donc ça peut avoir des avantages. C'est que, par exemple, quand on va discuter des coûts, les populations d'enfants représentent des coûts mineurs par rapport à tout ce qu'on vient de décrire. Ça présente aussi des inconvénients, car quand on est une minorité, on a beaucoup de mal à se faire entendre. Et de ce point de vue-là, je suis très bien placé pour le savoir. La deuxième chose dans les maladies chroniques de l'enfant, c'est qu'il n'y a pas de prévention. On peut faire des dépistages, mais il n'y a pas de prévention possible, car dans l'immense majorité des cas, ce sont des maladies à révélation très précoce, pour la plupart d'origine génétique et qui n'ont strictement rien à voir avec les phénomènes d'environnement. Donc il n'y a pas de prévention primaire possible. Dans le diabète, tout ce qu'on essaye, c'est d'éviter que l'enfant meure avant qu'on fasse le diagnostic. Ça existe encore chez nous, en France. Ça existe certainement à une fréquence beaucoup plus élevée dans d'autres pays. Et puis, je pense que, là je vais revenir vraiment au problème du diabète chez l'enfant, qui est un diabète de type 1, il y a un énorme problème éthique dans tous les pays qu'on vient d'évoquer. Le premier, c'est que une très grande majorité des enfants n'ont pas accès à l'insuline et meurent dans l'état actuel des choses. Et encore, il y a eu des progrès depuis quelques années, mais on voit que le nombre d'enfants qui est traité par l'insuline augmente progressivement dans tous les pays qu'on vient de mentionner. Mais il y en a encore certainement bien plus qui ne survivent pas. Donc ça, c'est tout à fait contraire à ce qui avait été fixé par la Fédération internationale du diabète, qui avait dit: on ne doit plus mourir de diabète quand on est enfant. On en est très très loin encore aujourd'hui. La deuxième chose, c'est que il y a à la fois un problème éthique et économique, car avoir accès à l'insuline, c'est bien, mais ce n'est pas ça l'objectif du traitement. L'objectif du traitement, c'est d'atteindre une qualité de traitement suffisante pour empêcher qu'en une ou deux décennies, on voit apparaître des complications qui, on le sait chez nous, représentent la moitié du coût du diabète. Hein, sur les 15 milliards d'euros qui sont dépensés pour le diabète en France, la moitié, c'est les complications. Donc si on donne accès à l'insuline, mais qu'on ne donne pas ensuite les moyens
de s'en servir d'une manière extrêmement efficace, et c'est difficile, ça nécessite beaucoup de compétences, beaucoup de moyens humains, eh bien, ça va coûter très cher à court terme. Et enfin, il y a un autre challenge qui apparaît, là, spécifique au diabète, qui va encore alourdir, je dirais, les écarts, car d'ici un temps extrêmement court, on va disposer de traitements qui vont nous permettre d'obtenir des résultats incomparables à ce qu'on a aujourd'hui, et donc de réduire les risques à très long terme. Par contre, ces nouvelles technologies ont un coût. Donc ça veut dire que les pays qui viennent à peine de démarrer la prise en charge du diabète chez l'enfant vont devoir brûler des étapes qu'on a franchies, nous autres, pendant pratiquement un siècle. Donc c'est un challenge absolument colossal. Mais par contre, effectivement, est-ce que ce sera acceptable de dire on continue à traiter les enfants au Mali avec de la Mixtar, alors qu'on aura des pancréas artificiels chez nous? Donc c'est vraiment un énorme, énorme challenge qui simplifie absolument pas le problème. Par contre, comme je le disais, pour les enfants au moins, on peut au moins jouer sur le fait que leur nombre est relativement modeste et que le coût pourrait être défendable. Si je ne me trompe pas, vous êtes un Necker enfant malade, si j'ai bien réussi à retrouver dans mes fiches en regardant rapidement, et vous êtes chef de service. Si ça n'a pas... Vous n'êtes plus chef de service, d'accord. Non, juste un petit mot, je voudrais vous poser une question sur ces médicaments, non, laissez-lui le micro, sur ces nouveaux traitements qui vont arriver. Ah non, c'est le pancréas artificiel, c'est l'automatisation de l'administration de l'insuline qui est en train d'arriver. Est-ce que ce sera dans 5 ans, dans 10 ans? Enfin, il arrive. Donc, il va changer complètement les données du problème. Il va se développer sur une ou deux décennies. Mais je pense qu'une personne qui a un diabète de type 1, dans 20 ans, il y aura quasiment la quasi-totalité des gens qui sera traité de cette façon-là. Merci. Juste un deux rebonds très rapides, parce que c'est ce qu'on a discuté depuis tout à l'heure. C'est une discussion qu'on a beaucoup. On a même une étudiante qui est en thèse là-dessus actuellement. Donc c'est des vrais, vrais problèmes. Le premier, le faible nombre, ça doit amener de l'efficience au niveau des partenaires. Je veux dire, effectivement, nous, on est en train de se battre. On s'est battu depuis 2 ans, par exemple, avec l'UNICEF, dont c'est le métier de soigner les enfants, pour qu'au lieu que Santé Diabète redépose un projet ou redemande des fonds pour spécifiquement faire un projet diabète de l'enfant, que ce soit intégré dans des financements qui sont souvent colossaux qui existent. Aujourd'hui, la réponse qu'on nous fait, c'est là où on doit vraiment s'interroger sur le dialogue politique et l'efficience de l'aide. La réponse, c'est ça, c'est du diabète, c'est pas de la santé de l'enfant. On a la même discussion avec la santé maternelle et le diabète gestationnel. Donc ça, c'est une vraie bataille qu'il faut qu'on mène tous ensemble. C'est-à-dire, et là, ça revient à ce que disait Pierre tout à l'heure, le rôle des agences et le rôle de ce dialogue politique où on essaye, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi, quel est l'intérêt pour moi d'aller déposer un projet et demander 1 million d'euros s'il y a l'UNICEF qui a les fonds pour 50 000 euros. Après, et il faut qu'on soit vraiment efficient parce qu'on n'aura pas plus de ressources. Donc ça, c'est, mais c'est pas gagné, hein, au niveau de l'UNICEF, c'est pas gagné. Parce que normalement, on a une fin de non-recevoir catégorique. Ça peut bouger, mais il faut se liguer. Le deuxième point, c'est le point éthique. C'est une vraie problématique. C'est-à-dire, à un moment, faut commencer à mettre les gens sous traitement parce qu'ils meurent, c'est un problème. Maintenant, on sait que si on les met sous traitement partiellement, ils vont développer des complications assez importantes. Et là, on est dans un entre-deux pendant encore quelques années qui va être quand même pas très confortable à négocier. Et que, à la fois les médecins, à la fois nous, on va devoir négocier. Ça revient encore à ce qu'on disait tout à l'heure, il faut absolument renforcer le système de santé et pas fixer un objectif, l'accès à l'insuline. Parce que si on fixe un objectif accès à l'insuline et qu'il n'y a pas tout le reste, ben on est perdu sur tout le reste, quoi. Donc il faut une approche complète. Oui, je voudrais rebondir sur la proposition du téléphone et dire effectivement que c'est un besoin et c'est une réalité dans nos pays. Moi, je suis également présidente d'une association d'aide et de soutien aux personnes atteintes de cancer en Côte d'Ivoire. Et on a mis en place en 2010 le premier centre d'écoute téléphonique d'information sur le cancer, de soutien psychologique. Et on s'est rendu compte, on a publié les résultats de la première année d'activité. On a eu plus de 200 appels, mais il y avait une réalité. Une réalité d'abord sur le terrain, c'est que quand des gens appellent et qu'ils expliquent leurs problèmes, qui sont soit des problèmes d'information sur le dépistage, la prévention, ou des problèmes de soutien psychologique ou de difficultés de compréhension du traitement d'un proche, pendant qu'on parle, la communication s'arrête et puis la personne rappelle « Ah, excusez-moi, j'avais plus de crédit. » Je continue d'appeler.
trois fois, quatre fois, excusez-moi, j'avais plus de crédit. Et vous avez des gens, dans l'enquête qu'on a faite, il y a des gens qui connaissent l'existence de ce centre, mais qui n'appellent pas parce qu'ils estiment qu'ils dépensent trop déjà pour se traiter du cancer. S'il faut encore qu'ils dépensent de l'argent pour téléphoner, pour s'informer, ils connaissent les avantages, ça évite de se déplacer, mais ils ne peuvent pas. Vous avez ce genre de problème. Et c'est une réalité. Là, en ce moment, on a une étudiante qui est en train de faire une thèse sur l'intérêt pour des personnes atteintes de cancer et leurs proches dans des pays comme les nôtres. On se rend compte, elle a recruté 150 personnes, elle n'a pas encore fini. On se rend compte que le besoin est réel. C'est oui, quasiment chez tout le monde. Quelles sont les propositions pour améliorer justement le fonctionnement de ce centre? Vous en avez certains qui vous disent, faites l'effort de rendre les appels gratuits pour des personnes qui dépensent autant. Ce que, en tout cas, la téléphonie mobile en Côte d'Ivoire n'a pas encore réussi à accorder. Nous, on a sollicité tous les opérateurs téléphonie mobile de Côte d'Ivoire. On a eu non pour la gratuité de l'appel. Mais pourtant, ça continue. Hein. Bon, là, il y a des problèmes techniques. Je ne dis pas que c'est parce qu'il n'y a pas de gratuité que le centre ne... En ce moment, le centre a des problèmes techniques. Mais ce que je voulais relever, c'est que le besoin existe. Bien que ce soit payant, il y a des gens qui payent. Et puis après, si les opérateurs de téléphonie mobile acceptent d'accompagner, il y aura encore plus de personnes. Mais on ne s'arrête pas pour autant. Vous vouliez réagir? Juste sans monopoliser la parole, je pense que là, c'est justement le rôle moi, que j'ai découvert extrêmement efficace de l'Union internationale des télécommunications. De la même, on le sait pour l'OMS dans les relations avec les ministères, mais là, l'IUT dans les relations avec les opérateurs téléphoniques. Et donc là, au Sénégal, mais dans les autres pays qui font partie de ces pilotes, il y a des modèles de contrats qui sont passés entre l'IUT, les États et les opérateurs pour obtenir des quotas gratuits pour du social. Donc il faut s'inspirer de ces modèles. Donc il y a de l'espoir. D'autres interventions dans la salle? Oui, juste. Oui, bonjour et bonsoir. Eric Mainville, je travaille pour l'association Santé en Entreprise qui, justement, essaie de mobiliser des entreprises pour qu'elles financent et investissent dans la santé, donc ça pour leur personnel, mais aussi pour des communautés environnantes. Et je trouve que le débat qu'on est en train d'avoir sur, finalement, comment faire face aux maladies chroniques, je pense qu'il ne faut pas aller chercher très très loin, finalement, sur ce qui a pu fonctionner. Quand, avec Abdon, on a une expérience sur le VIH. Hein. Je pense qu'il y a deux choses que j'ai entendues ce soir. Et je pense qu'ils nous font revenir à des discussions qu'on avait déjà il y a 10-15 ans, c'est ne pas dissocier et ne pas opposer prévention et prise en charge. C'est un continuum qu'il faut construire de toutes les façons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a... Si on regarde le VIH, comme le PALU d'ailleurs, on va bientôt parler du PALU à l'occasion de la journée mondiale du paludisme, et il faut arriver à faire plusieurs choses. Quand on parle d'accessibilité, il faut faire baisser les prix et il faut aussi de l'argent parce que quand on regarde les résultats qui ont été obtenus sur le VIH comme sur le PALU, ça s'est fait parce qu'il y a eu de l'argent. Donc on ne va pas faire d'économie sur cette question. Et ce que je vois dans les entreprises aujourd'hui, c'est que nous avons effectivement une prise de conscience qu'on a les maladies, il y a une montée des maladies chroniques. Quand on discute avec les médecins, ils disent le diabète, les cancers, l'hypertension sont des sujets. Il y a des acteurs qu'il faut absolument arriver à mobiliser aujourd'hui, ce sont tous les acteurs du financement de la santé, les assurances, les acteurs, les mutuelles, les gouvernements, mais et les entreprises, parce qu'elles ont aussi un rôle à jouer là-dessus. Mais ces acteurs-là ne bougeront pas si au niveau des gouvernements, des États, il n'y a pas un cadre pour ça. Donc ça, c'est nécessaire d'arriver aujourd'hui à une démarche politique à mobiliser les gouvernements sur ces nouveaux enjeux. Voilà, je dirais juste ça. Je voudrais faire réagir Pierre Salignon sur la question du financement.
Parce que c'est vrai, on finance comment tout ça? C'est deuxième fois. Est-ce qu'il va y avoir un merveilleux bailleur de fonds, comme disait Stéphane, qui va financer tout ça? Je vais répondre de la manière suivante. On a parlé déjà des États, et notamment des engagements d'Abuja, et le fait que les 15% consacrés à la santé sont pas atteints dans la majeure partie des pays dont on parle. Deuxième élément, on peut certes mobiliser des subventions, comme le fait la France. Là, j'ai parlé des Comores, on a parlé d'autres choses. Des subventions pour essayer d'appuyer des initiatives, une démarche de l'État, le fait de monter en puissance. Mais qu'on ne se raconte pas d'histoire. Au regard des enjeux financiers, ce n'est pas les questions de subventions qui vont permettre de résoudre ou l'établissement d'un nouveau fonds vertical, de résoudre la situation ou le défi qui est devant nous. Ensuite, il y a un risque qui est bien réel, c'est de faire porter la charge des maladies sur les ménages, encore davantage que ce que ça n'est déjà aujourd'hui, dans une géographie où on sait que la part consacrée à la santé sur les revenus peut être très important, avec le risque de renforcer la spirale qui est infernale, de dépenses de santé, l'endettement des familles et tout ce qui va. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai rien dit. On fait quoi ? J'ai essayé de regarder aussi un certain nombre d'analyses d'experts, et notamment il y a eu un travail fait par le Lancet, journal médical britannique connu, et notamment autour du Global Health 2035, ils appelaient ça, qui tentait de dresser des recommandations. Alors, c'est toujours intéressant d'avoir des experts qui essayent de dresser sur ces questions-là des recommandations en termes de financement. D'abord, le Lancet, il soulignait que les politiques fiscales, je cite, peuvent réduire de façon spectaculaire les maladies chroniques et générer aussi d'importants revenus nouveaux pour les pays à revenus faibles et moyens. Et il déclinait le raisonnement en proposant plusieurs alternatives. La première concerne, pour endiguer les maladies non transmissibles et générer des revenus, c'est de taxer lourdement le tabac et autres substances nocives telles que l'alcool. Deuxième recommandation ou alternative qui était sollicitée, je la cite, même les plus éloignés du sujet, il pourrait aussi réaffecter des fonds au contrôle des maladies chroniques en réduisant les subventions sur les produits tels que les combustibles fossiles qui produisent des polluants de l'air et causent des maladies chroniques. Alors, les experts, ils ajoutent des exemples, et c'est intéressant. Ils disent au cours des 50 années à venir, par exemple, une taxe de 50% sur le tabac pourrait prévenir 20 millions de décès en Chine et 4 millions en Inde et générer respectivement dans chaque pays 20 milliards et 2 milliards de dollars américains par an. Et la Commission, elle demande donc aux donateurs, dont nous sommes, aux agences des Nations Unies, de s'engager à fournir une aide technique sur les politiques de taxation et de subventionnement, de coopérer régionalement autour notamment des questions de tabac, notamment sur des questions comme diminuer la contrebande, le financement de la recherche sur les populations et les interventions ou l'augmentation ou les moyens de développer les interventions en faveur des maladies non transmissibles. Pardon. Deuxième élément, ils rentrent sur ce qui avait été abordé tout à l'heure par Stéphane. Ils disent qu'il faut avoir une voie d'approche pro-pauvre, pro-pour, vers la couverture de santé universelle pour parvenir à une protection sanitaire et financière renforcée. Là, il y a deux voies. Il y a d'une part le fait de mettre en place une assurance à financement public qui couvrirait les interventions essentielles de soins de santé pour réaliser la convergence entre, on parlait tout à l'heure, de l'évolution de certaines maladies et les maladies chroniques, et s'attaquer aux maladies chroniques. Cette voie serait directement favorable aux pauvres, disent-ils, car ils sont affectés de manière disproportionnée par le problème. Et ensuite, pour finir, la seconde voie, c'est toute une série d'avantages plus importantes financés par une gamme de mécanismes financiers qu'on a déjà abordés. Cotisations sociales, primes d'assurance, tickets modérateurs et j'en passe, avec exemption de tous les paiements pour les plus pauvres. L'objectif étant d'engranger des gains de santé de forts gains de santé par dollar dépensé et de garantir que les pauvres bénéficient d'une protection sanitaire et financière. Alors tout ça, c'est un peu peut-être idéaliste, mais peut-être pas tant que ça. C'est quand même un certain nombre d'économistes et d'experts qui ont travaillé sur le dossier. Mais je trouvais intéressant de reprendre des recommandations parce que c'est une manière un peu de provoquer le débat et de dire qu'il y a peut-être des domaines du possible. Pour terminer, je voudrais dire quand même qu'autour de la division santé, l'AFD et avec l'OMS en partenariat, on a ces derniers temps décidé de lancer une analyse rétrospective sur la taille et la nature, je lis parce que je ne connais pas très bien le sujet, de l'expansion de l'espace fiscal en santé entre 1990 et 2015 dans un certain nombre de pays d'Afrique francophone.
L'idée, c'est de réfléchir autour de ce qu'on appelle les capacités à accroître les ressources publiques disponibles pour le secteur de la santé en tenant compte des contraintes et du potentiel macroéconomique et fiscal de chacun des pays. C'est une étude qui devrait produire donc des recommandations, mais c'est bien de se poser la question vis-à-vis d'une géographie, et notamment africaine, sur qu'est-ce qu'on a appris de différentes démarches et évolutions dans certains pays et comment on peut penser le financement demain autour du défi des maladies chroniques, mais pas uniquement. C'est très bien de parler de fiscalité à l'heure actuelle. Je pense que c'est particulièrement d'actualité avec les Panama Papers. On a un beau feuilleton dans le monde en ce moment, un peu affligeant. Vous parliez d'éthique tout à l'heure. Là, il y a des vraies questions d'éthique qui se posent et il y en a qui ne s'en posent pas beaucoup, apparemment. Alors, il y a, voilà. Vous, après, il y en a pas mal à gauche. Vous inquiétez pas, on a encore du temps. Donc, voilà. Allez-y, vous. Puis après, je veux bien que vous passez le micro à gauche. Abdon Goudchour, je suis actuellement donc directeur médical au SAMI Social, mais antérieurement au ministère des Affaires étrangères. Et donc j'ai eu beaucoup à travailler avec Pierre Salignon et à porter le plaidoyer de Stéphane, donc de manière à ce que dans l'architecture en matière de santé, les maladies non transmissibles prennent un poids plus important aujourd'hui. Mais cependant, un chiffre, l'épidémie Zika est en cours actuellement et Obama a fait une annonce d'1,8 milliard. Donc, 1,8 milliard qui sortent comme ça. Je ne suis pas sûr qu'une maladie non transmissible puisse déclencher un tel mouvement de la part d'un politique du Nord. Donc, ça veut dire qu'en réalité, les maladies transmissibles ont une particularité. Elles font peur aux acteurs du Nord. Et c'est l'aspect important de la sécurité sanitaire qui est l'élément moteur. Quand une maladie a un effet potentiel sur nous, on y met les moyens. On fait en sorte qu'elle ne soit pas là-bas pour qu'elle vienne ici. Ça pose la vraie question de la dimension éthique, mais aussi de l'engagement politique. Ces dimensions politiques, on ne peut pas tourner autour. J'aime bien que les économistes nous fassent des modèles. L'économiste fait des modèles, l'économiste donne des solutions potentielles, mais le choix est politique. Ce choix politique repose également, et là, c'est en cela d'ailleurs que j'ai fait un plaidoyer pour que, avant que je ne quitte mes fonctions, pour que de nouveau, dans la plateforme des ONG que reçoit le ministère des Affaires étrangères, entre ONG Debet. Pourquoi au juste? Jusqu'ici, nous n'avions que les ONG que Eric et moi avons portées pendant des années, c'est-à-dire les ONG de lutte contre le VIH, la TB et le paludisme. Donc aujourd'hui, la vraie action, au-delà des éléments techniques, est une action politique. Et cette action, je compte beaucoup plus sur l'action conjointe des praticiens, quels qu'ils soient, infirmiers, et surtout d'organisations d'ONG de malades. Celles-ci ont le potentiel pour faire bouger le politique, car quand M. Obama sort 1,8 milliard en très peu de temps, c'est assez impressionnant, mais ce n'est pas pour des maladies non transmissibles. Est-ce que je peux rajouter quelque chose quand même sur les associations de patients? Parce que c'est une question que je me pose depuis 13 ans où je travaille sur cette émission Priorité Santé, c'est que quand même, sur le sida, il y a eu des associations de patients virulentes, mais aussi qui se sont préoccupées de l'accès aux soins au sud. Au sud, bien alors, sûr. Certainement parce qu'ils avaient des amis au sud et que donc la préoccupation est venue là. Mais il y a eu quand même un côté, justement, question éthique, difficile d'avoir moi accès au traitement si les autres ne l'ont pas. Je ne suis pas sûre que le diabétique ou l'hypertendu du nord soit très préoccupé par l'accès au traitement du diabétique ou de l'hypertendu au sud. Voilà. Les associations de diabète au nord sont-elles puissantes? Ah, peut-être question importante. Il va falloir que l'on se pose la question. Je n'ai, à part quelques ONG qui poussent la porte, le nombre de fois tu es rentré par la porte ou tu es sorti par la fenêtre, Stéphane. Non, il faut dire les choses telles qu'elles aujourd'hui. Le nombre c'est de fois. C'est ce qu'il a fait aujourd'hui. Si, il est rentré par la porte, il sort par la fenêtre, il rentre par le hublot, il va peut-être sortir par le toit. Donc ça veut dire qu'en fait, ce travail de plaidoyer qu'il fait, et je trouve très important de le faire savoir. Merci à Claire et donc il le passe sur RFI régulièrement et à d'autres également qui le font. Ah, mais c'est parce qu'il pousse la porte tout le temps. Il pousse la porte, mais très bien. Donc, on va continuer à pousser avec toi et avec vous tous. Merci. Stéphane, et après... Vous voulez que je commente la porte et la fenêtre Non, mais je pense que tu as tout dit. Il n'y a plus grand-chose à dire sur la question transmissible, non transmissible. C'est l'éternel débat. C'est le débat qu'on a eu pendant Ebola aussi, où d'un seul coup, les mêmes personnes politiquement à très haut niveau qui nous disaient « on n'a pas de ressources, arrête d'enfoncer la porte », d'un seul coup, ils ont sorti des milliards et ils m'ont dit « oui, bon, on en a un peu, mais pas pour vous ».
Mais du coup, voilà. Et la question que Claire soulève, elle est réelle. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici dans la salle de l'Association française des diabétiques, mais c'est quelque chose... Ah oui, il est là, le pauvre. Non, c'est quelque chose... La question de Claire est... Elle est vraiment importante, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de mal à mobiliser les malades pour les patients du Sud. Aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années qu'on essaye de mobiliser l'AFD, alors l'autre AFD, Association française des diabétiques, sur... Désolé pour la... sur cette question de soutenir les malades. Et on a déjà un premier problème, c'est que dire à un malade en France que des patients quelque part n'ont pas accès à l'insuline, ils vous regardent avec des yeux comme ça en disant mais c'est quoi cette blague, parce qu'on est sur ALD à 100%, tout est à 100% en France, donc les gens déjà... Affection de longue durée, et du coup c'est très compliqué. Et on a fait à proximité dans beaucoup de villes, on a fait ce travail avec les associations locales, notamment en région Rhône-Alpes, on fait des choses en commun, et bien on n'arrive pas à dépasser ça. Et ce qu'on arrive à avoir, c'est le don de lait. Aujourd'hui, le maximum qu'on ait réussi à mobiliser, c'est le don de lecteur de glycémie. Mais le don de lecteur de glycémie, c'est pas une réponse structurelle et c'est pas une réponse structurante. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai chantier et il y a un vrai... Et là, j'ai poussé toutes les portes et je suis sorti par toutes les fenêtres. Allez-y. Oui, bonjour. Anne Gagnepin, je suis directrice médicale de la Fondation Sanofi Espoir et je suis en particulier responsable d'un programme de lutte contre les cancers des enfants dans les pays à faibles ressources qui s'appelle My Child Matters. Ce programme a aujourd'hui 10 ans d'existence et en 10 ans, on a aidé la mise en place d'une cinquantaine de projets dans les pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique. Et ces projets s'attaquent à différents aspects de l'amélioration de la prise en charge des enfants atteints de cancer. Et un de ces aspects est, pour rebondir sur ce que disait Madame Koulibaly, la formation des professionnels de santé. Alors, il y a des formations... courtes, il y a des formations qui s'adressent à différents professionnels de santé, mais il y a des formations longues, qualifiantes, diplômantes, et en particulier on soutient l'école africaine d'oncopédiatrie qui a mis en place un diplôme interuniversitaire entre la fac de Rabat et celle de Paris Sud qui a permis l'an dernier de former une vingtaine d'oncopédiatres. Alors, les maladies de l'enfant sont des maladies rares, les cancers de l'enfant sont des maladies rares. Alors, vous imaginez le nombre d'oncopédiatres qui existent, en particulier dans les pays d'Afrique subsaharienne. Il n'y en a pas beaucoup, il y a des pays où il y en a zéro. Donc, former 20 oncopédiatres pour le continent et pour la partie francophone du continent africain, c'est énorme. Et là, ils en sont à la deuxième année, donc ils font des promotions d'une vingtaine d'oncopédiatres par an. Ce qui va changer vraiment la physionomie des experts formés dans le domaine. Passez votre micro à votre droite. Voilà, votre voisin voulait intervenir. Après, il y a une personne devant. Merci. Pierre B., je suis dans le groupe franco-africain de lutte contre les cancers de l'enfant. Je voulais faire un commentaire sur le coût du cancer. Je pense que classer les cancers dans les maladies chroniques est un peu ambigu et un peu gênant. Ça laisse penser que ce sont des maladies qui ne guérissent pas. Or, Judith l'a parfaitement rappelé tout à l'heure, on guérit actuellement 80% des cancers de l'enfant, 80% des cancers du col utérin, du cancer de la prostate, des cancers du sein, à condition qu'ils soient découverts assez tôt. Et on peut ajouter que les traitements utiles et nécessaires pour obtenir ces guérisons sont relativement simples et peu coûteux. C'est la chirurgie d'abord, c'est la radiothérapie qui est coûteuse initialement, mais les investissements durent 20 ans, donc quand on fait le bilan, c'est pas si coûteux que ça, et les chimiothérapies standards qui ne sont pas très coûteuses. Quand on parle de cancer, maladie chronique, on parle des malades qui ne vont pas guérir et qu'on est aujourd'hui capable de faire vivre plus longtemps, c'est vrai, moyennant des coûts exorbitants. Et c'est bien là où est le problème. Et ça a été signalé tout à l'heure. Les thérapeutiques ciblées arrivent en Afrique comme partout, où on va dépenser des fortunes pour faire vivre les gens quelques semaines de plus. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des dernières immunothérapies dans le mélanome malin. Aux États-Unis, c'est $1 million pour une personne pour vivre un an de plus. Et même aux États-Unis, ça semait l'effroi et les problèmes éthiques vont se poser. Donc ces problèmes, à mon avis, sont majeurs. Ce sont des choix qu'il faut faire, que tous les pays doivent faire, les pays à faible revenu, mais comme les autres. On ne pourra pas supporter des dépenses pareilles dans tous les pays du monde.
on arrivera à faire baisser un peu par pression sur l'industrie, mais on n'arrivera pas à suivre dans la chronicisation de la maladie et vivre quelques mois de plus. Il faudra bien se poser la question du bénéfice et du coût en face. Alors, je voulais, après cette remarque, je voulais faire poser une question sur, ça a été un peu évoqué tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut construire des ponts entre les différentes pathologies ? On voit bien qu'on ne va pas continuer comme ça, chacun dans son domaine, dans son petit domaine, à essayer de trouver des financements pour aider au développement. On voit qu'il y a des ponts évidents dans la prévention, il y a beaucoup de facteurs de risque en commun, dans l'éducation thérapeutique. Mais je pense qu'on pourrait aller plus loin et dans la prise en charge, un médecin capable de prendre en charge une hypertension artérielle, un diabète, doit pouvoir aussi être capable de prendre en charge un patient avec un cancer et faire une chimiothérapie simple. Et je pense qu'il faut qu'on avance là-dedans et peut-être que les structures financeuses pourraient jouer un rôle incitatif en obligeant peut-être ou en ne finançant que des projets qui sont pluripathologiques peut-être. Ça pose toute la question des renforcements des systèmes de santé dans leur globalité. Et là-dessus, je ne sais pas trop où on en est, mais les bailleurs de fonds sont un peu frileux là-dessus, non ? Je me trompe. La question qui s'est posée, moi j'ai participé beaucoup pour amener au sommet aux Nations Unies. Il y a eu beaucoup de réunions à l'OMS, à haut niveau, partout. Et après, quand on revenait vers les financeurs potentiels, que ce soit des agences de coopération ou la Gates Foundation, parce qu'il y a eu un moment pas mal de discussions avec la Gates Foundation, c'est de dire, et là ça tétanisait les gens, parce qu'ils voyaient, il y a toujours cette notion d'indicateur. Il faut toujours que ce soit smart. Alors dans les maladies chroniques, alors smart c'est rapide, mesurable, très visible. Alors dans les maladies chroniques, c'est jamais smart, c'est toujours long. Et alors si en plus on les mélange, les maladies, et on avait vraiment cette discussion avec beaucoup de chargés de programme de haut niveau, hein, notamment la Gates Foundation, qui disaient non mais nous il faut qu'on évalue très vite un résultat très fort parce qu'on doit communiquer dessus, faut pas se leurrer quand même. Notamment là je parle de la Gates, c'était vraiment ça. Et du coup il y a eu vraiment ces difficultés. Les gens nous ont dit, alors déjà s'il y a une maladie et qu'elle est compliquée, c'est pas facile, mais alors si vous nous en mettez trois ou quatre, nous on abandonne quoi. Et du coup ça a créé, et c'est ce qui fait, il y a eu beaucoup cette discussion au moment du sommet qui était de dire, à un moment certaines fédérations internationales ont voulu partir de leur côté. Sortir du NCD Global Alliance en se disant ça va être compliqué si on est tous ensemble. Les gens sont restés ensemble, mais le résultat, c'est que le post-sommet, il n'est pas très grandiloquent en efficacité, parce que toutes les réunions qu'on a avec les financeurs potentiels, ils ont vraiment très peur de ça en se disant mais on va mesurer ça comment ? Et ils ont du mal à imaginer ça. Et c'est vrai qu'en plus, quand nous-mêmes, on veut l'imaginer, c'est pas très simple, quoi. Je pense que le blocage, il est vraiment là, alors qu'on doit y arriver, parce que vous l'avez parfaitement décrit, autrement, financièrement, on s'en sortira pas. Pierre Salignon, vous avez envie de réagir ? Pour être un peu optimiste, parce que bon, moi j'ai entendu plusieurs choses autour des associations de patients et c'est clairement un élément central. Mais souvenez-vous, il y a 20 ans, les questions autour du VIH et d'autres maladies et le plaidoyer qui a pu être porté, les évolutions que ça a pu faire avancer. Moi je pense qu'il y a des éléments d'évolution simplement en termes de transition épidémiologique et autres qui aujourd'hui font que le sujet il est posé ici. Si je ne fais pas d'erreur, il y a bien une étude qui a été lancée par le ministère de la Santé autour de ces questions-là, du financement des maladies chroniques et dans des perspectives toutes françaises, quoi. Et puis il est en résonance par rapport à des réalités que vous avez très bien décrites sur comment ça se passe aujourd'hui dans un hôpital. Alors c'est Abidjan, on aurait parlé d'un autre hôpital, N'Djamena ou ailleurs, on aurait eu certainement une réponse différente par rapport aux dynamiques locales, les capacités, la formation, le nombre de spécialistes présents ou pas. Et on voit bien que les enjeux, ils sont centraux. Alors, le renforcement des systèmes de santé, il est central. Bon, l'AFD, à la division santé, c'est clair que c'est l'objectif. On n'arrête pas de le répéter. Et c'est l'approche qu'on souhaite voir développer. Maintenant, ce que disait Abdon est très juste. C'est qu'autour des questions de sécurité sanitaire internationale, on voit bien des financements être mobilisés qui disent vouloir renforcer les systèmes de santé, mais qui passent à côté, encore aujourd'hui. Il y a quand même, moi, je pense, une prise de conscience vis-à-vis de nos collègues du Fonds mondial et autres, avec le souhait quand même de se poser la question d'éviter les effets induits d'une approche proche verticale qui déstabiliserait davantage les systèmes. Ça a eu des conséquences. Ça a eu des éléments extrêmement positifs sur la prise en charge des patients, la mobilisation des acteurs, les patients, la santé communautaire. Toutes les approches qui ont été développées sont certainement en miroir très intéressante sur tout ce que vous décrivez sur ces maladies
chronique. Et maintenant, basiquement, de montrer que les patients du Sud sont tout à fait capables de suivre un traitement. Oui. Et puis, ça a été. Moi, je vois les discussions qu'on a pu avoir aux Comores avec nos collègues. Hein, et pourtant, les Comores ne sont pas une région ou un État fort dans la possibilité de renforcer son système, etc. Il y a des associations de patients qui sont en constitution, qui sont demandeuses. Il y a une question d'accessibilité aux médicaments, donc, une question autour des prix, autour de la manière dont tout ça est géré, de la manière dont les personnels de santé sont formés et comment la prévention et le dépistage est menée. Donc, c'est-à-dire que certes, c'est difficile. Oui, c'est une question d'argent. Oui, c'est une question de volonté politique. Il y aura des ressources. Elles ne seront pas automatiquement additionnelles. Peut-être dépensées différemment, penser les espaces fiscaux et les rendre plus efficaces par rapport à ce qu'ils le sont aujourd'hui. C'est une manière de gagner de l'espace en termes de capacité pour faire plus. Madame, puis après, il y a monsieur qui veut intervenir de là. Et puis après, il y en a là aussi. Et puis l'Association française des diabétiques, je ne vous oublie pas, je vous ai repéré. Allez-y, madame. Bon. Merci. Bonjour, Sylvie Rentrua, journaliste indépendante. Je voulais revenir sur les solutions que peuvent apporter les téléphones mobiles. Est-ce que des applications sont développées, comme on le voit en France ou ailleurs, qui permettent aux malades de mieux gérer sa maladie? Je pense par exemple aux applications qui permettent de compter ses glucides quand on est diabétique, ou d'avoir un meilleur suivi par la suite. Est-ce qu'il y a des efforts qui se sont faits dans ce sens-là ou pas encore? Alors peut-être des choses isolées de patients qui ont accès au nord, au sud et qui peuvent ramener des choses, mais structurellement, non. Alors après, en plus, vous doutez bien qu'il faudrait avoir des tables de composition des aliments locaux, ce qui est un deuxième challenge quand même. C'est un vrai deuxième challenge. Alors après, la question, elle est en train d'arriver. Elle émerge beaucoup parce qu'aujourd'hui, on a des populations qui migrent. Aujourd'hui, si vous prenez la couronne parisienne, une consultation à l'hôpital d'Evry ou tout ça, vous avez plus de la moitié des patients qui sont maghrébins subsahariens. Donc nous, on a beaucoup d'échanges aujourd'hui avec les équipes sur les questions d'éducation thérapeutique. Nous, on a des mails au moins une fois par semaine d'un infirmier qui dit Tosos Gombo, c'est quoi cette affaire-là? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi là-dedans? C'est composé de quoi? Donc, là aussi, il y a des enjeux extrêmement intéressants avec ces pathologies pour faire des. Parce qu'on est dans un rapport qui est nord-sud, sud-nord, en fait. C'est ça qu'il faut qu'on arrive à densifier, à travailler. Nous, on a beaucoup de partenariats hospitaliers. Je pense sur le cancer, il y en a beaucoup aussi. Et qu'il y a du jeu des deux côtés. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Après, peut-être, Lynn, toi, c'est ta spécialité. Il y a les choses que vous faites, mais en application de suivi, je pense pas. Juste un petit commentaire. Il y a effectivement des applications qui sortent au nord comme au sud, et il y en a plusieurs par jour, des nouvelles, des très bonnes et des moins bonnes. Donc je pense que là, un élément qui est important, c'est de dire que par exemple dans le programme que j'ai évoqué, c'est comme il doit être déployé à grande échelle, à faible coût, le choix, ça n'a pas été des applications qui nécessitent des téléphones plus sophistiqués, mais simplement déjà du push de SMS. Hein, parce que ça, c'est pas cher, que ça atteint tout le monde, quel que soit son téléphone. Et pour ça, le gouvernement a créé à la fois un site web qui s'appelle mdiabete.gouv.sn, et les SMS qui sont envoyés par campagne sont labellisés, c'est mdiabete qui vous écrit. Et donc, il y a une confiance qui peut être donnée. Les médecins de toute la hiérarchie pyramide sanitaire, là, ça a été signé hier pour, à l'occasion de la journée mondiale de la santé qui est consacrée au diabète. Le ministre a envoyé à nouveau une lettre à tous ces médecins en disant « Inscrivez, encouragez, je vous exhorte à faire adhérer vos patients et le professionnel de santé » au programme national M-Diabète, parce que c'est des choses simples, pas chères et très ciblées. Et je pense que là, en plus, après toutes les applications, les gens peuvent aller chercher ce qu'ils veulent, mais ce n'est pas au niveau institutionnel pour l'instant. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent intervenir, donc je veux bien des interventions courtes. Alors allez juste derrière vous, donc l'Association française des diabétiques, et après juste devant vous, là, devant vous. Alors, Paul Oufouinan, j'ai un diabète de type 1. Enfin, je ne représente pas l'association, enfin la Fédération française des diabétiques. Je suis simple bénévole, donc j'ai pas d'influence sur, leur direction de l'AFD, sur leur politique.
Donc, je partage le constat que les associations sont pas forcément suffisamment impliquées pour défendre les droits des pays du Sud. Faut savoir qu'on est, on est quand même pas mal de jeunes dans le monde justement à vouloir s'impliquer là-dedans. Donc il y a les Young Leaders et on a un certain nombre au niveau mondial donc à vouloir travailler sur ces sujets-là. C'est un sujet qui me tient à cœur et justement je suis en train de créer un groupe jeune en France de jeunes avec un diabète et c'est un sujet sur lequel je souhaiterais, c'est un sujet sur lequel je souhaiterais qu'on travaille et qu'on puisse faire avancer les choses. Et après, c'est, enfin, sur le SIDA, les gens qui, enfin, les personnes en tout cas qui, enfin, si les choses ont changé, c'est parce que les gens se sont mobilisés. Et les personnes qui se sont mobilisées, c'est pas des gens qui étaient séropositifs. Donc c'est à tout le monde aussi, enfin, toutes les personnes de cette salle, qui ont un diabète ou qui n'ont pas de diabète, de justement pousser, enfin, de s'impliquer pour que les choses changent. Vous connaissez Stéphane ou pas? Vous étiez déjà en lien ou... Je l'ai rencontré à Vancouver au Congrès mondial du diabète l'année dernière. Et, bon, c'est un sujet sur lequel je souhaiterais échanger avec lui, justement. Très bien, très bien. Bonsoir, Christophe Paquet, je suis responsable de la division santé à l'AFD. Je voudrais revenir sur la question du renforcement des systèmes de santé qui donc nous préoccupe beaucoup. C'est vrai que c'est un peu un mantra en ce moment, en particulier après Ebola. Tout le monde parle de renforcement de systèmes de santé dans tous les sens. Et on voit bien qu'en fait, chacun met souvent des choses très différentes derrière ce terme. Et à vous entendre ce soir, il me semble que ce dont on manque beaucoup aujourd'hui, c'est de normes. Quand on parle de renforcement du système de santé. Et en particulier, vous avez évoqué tout à l'heure le problème des hôpitaux de premier et deuxième niveau en disant qu'on est à ce niveau-là dans une sorte de désert où on n'a pas de personnel formé, on ne sait pas quelle technique d'imagerie mettre en place, quel niveau thérapeutique offrir, quelle que soit la pathologie en question. Et il me semble que là, il y a sans doute une défaillance, peut-être de l'OMS, qui est censé être l'organisme normatif, sur ces questions-là et qu'il y a peut-être un travail à faire ou un plaidoyer pour qu'on arrive à définir au niveau d'un hôpital de première référence en Afrique aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en droit d'attendre en termes de dépistage sur tel et tel type de cancer en lien avec des propositions thérapeutiques, etc. Sans aller trop loin, parce que je rejoins totalement ce qui a été dit tout à l'heure sur une sorte de fuite en avant potentielle en termes de coûts. Donc là aussi, il y a une nécessité de normer en réfléchissant en termes de coûts-bénéfices, etc. Donc je ne sais pas si ça rejoint votre analyse, mais moi, c'est un message que j'aimerais faire passer ce soir. 200%, c'est quelque chose qu'on discute énormément. La question, on a des normes qui existent, mais qui pour nous sont dépassées. C'est-à-dire que souvent, elles vont 20 ans en arrière. On a un PMA, ce que partout on appelle le paquet minimum d'activité, qui ne prend pas en compte tout ce qu'on vient de discuter, qui prend en compte des choses très limitées. Et là, je pense qu'il y a un vrai challenge, et il y a une vraie discussion à avoir avec l'OMS pour les repenser, ces PMA, mais alors, du coup, pas tomber de l'autre côté, effectivement, dans des algorithmes, comme on peut assister à des ateliers, on se retrouve avec des structures qui ont des algorithmes de tout et n'importe quoi et qui n'ont pas le personnel pour faire face. Donc je pense que là, il y a un vrai dialogue à avoir avec l'OMS pour se dire on met quoi où. On remonte des choses qui n'existent pas aujourd'hui ou très très peu, mais par contre on ne tombe pas l'autre côté dans des usines à gaz où on va noyer les médecins dans des choses qu'ils ne pourront pas assumer. Donc il y a un vrai, et je pense qu'il y a un vrai dialogue avec l'OMS qui est possible aujourd'hui parce que les choses sont en train de beaucoup changer. Il y a aussi des gens qui arrivent, qui ont des profils, quelque chose qui vient d'arriver là. Par exemple, sur la nutrition, avant, on avait quasiment à Genève que des spécialistes de la sous-nutrition. On a un médecin qui était à la Harvard Business School australien, Alessandro De Maio, qui arrive là et qui, lui, est en charge de réfléchir là-dessus pour repenser certaines choses. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui sont en train d'arriver à l'OMS, dont un peu le mandat, c'est ça. C'est pas de faire des choses, mais c'est de réfléchir à comment on peut ouvrir le dialogue sur des choses comme ça. Et je pense que c'est plus facile en plus d'être porté par une agence comme l'AFD, enfin la porte d'entrée je veux dire, pour créer ça, je pense qu'il y a une vraie possibilité avec l'OMS d'avoir un vrai dialogue sur ces questions-là aujourd'hui. Oui, bonjour, je m'appelle Olivier Vaneil, je travaille dans des ONG médicales depuis plusieurs années, et puis j'ai commencé à Santé Diabète, je ne vais pas le cacher, il y a 10 ans. Moi, je vous rejoins sur le sous-financement des maladies chroniques, c'est évident. Comment ça se fait qu'aujourd'hui il y a une conférence comme ça qui n'avait pas lieu il y a 10 ans? On ne mettait pas ça à l'agenda il y a 10 ans. Moi, je pense qu'il y a un facteur dont on n'a pas parlé, c'est que le diabète, excepté le diabète de type 1, touche majoritairement des adultes de 40-45 ans et que ça n'intéresse pas les gens. Que le VIH, c'est contaminant, c'est infectieux, que la tuberculose, c'est infectieux et que le palu tue majoritairement des enfants.
Sauf qu'en Afrique, l'homme ou la femme de 40-45 ans, c'est elle qui a le pouvoir financier. Et ça, je pense qu'il faut le répéter, le répéter, pour qu'on arrive à mettre les maladies chroniques, dont le cancer aussi, hein, à la tête des priorités. Peut-être que ça va le devenir, parce que si je vois bien, les prévalences de diabète deviennent beaucoup plus élevées, enfin, les prévalences de mortalité deviennent beaucoup plus élevées que le VIH ou la TB. Donc peut-être parce que la lutte a été efficace sur le VIH et le PALU, peut-être que le diabète va devenir à l'agenda politique. On peut l'espérer. Et alors l'autre chose que je voulais, par rapport à ça, c'est le financement. Bon, Stéphane balaye un peu de créer un fonds mondial des maladies chroniques ou des choses comme ça. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a quoi ? Aujourd'hui, concrètement, on parle beaucoup d'accessibilité aux soins, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a comme financement ? Je pense que la crise syrienne a réveillé quelques ONG médicales très connues parce que c'était la première cause de consultation chez les réfugiés et les déplacés en Syrie ou aux alentours de la Syrie. Mais ça, c'est MSF qui a investi beaucoup dans les maladies chroniques à cause de la crise syrienne. Sinon, il y a quoi comme financement pour assurer l'accessibilité aux soins ? On peut dire qu'on ne fait pas un fonds mondial contre les maladies chroniques, je suis d'accord, parce que c'est... Et quelle est l'efficacité de l'aide ? Moi, je n'aurais pas de souci à déshabiller un peu le VIH pour en mettre un peu sur le diabète et à avoir une meilleure efficacité de l'aide sur Ebola ou sur Zika. J'aurais aucun souci là-dessus. Ma problématique avec le fonds, un global fund sur les maladies chroniques, c'est pas le fait d'apporter de l'argent sur les maladies chroniques, c'est le fait de faire attention. Si on le fait, que c'est pas une verticalité, ce qui avait été discuté au moment du sommet aux Nations Unies, c'est le Global Fund VIH-TB a eu des bons résultats, surtout financiers, énormément d'argent. Il y a eu des benchmarks qui ont été faits, c'était dire on fait la même chose, on obtient autant d'argent. Mais ce n'est pas une finalité. Puis surtout, du coup, on va retomber sur une verticalité. Alors on aura des patients, puis après on aura, c'est les drépanocytaires qui n'auront plus accès aux soins, puis on va faire un programme pour les... Enfin, on s'en sort pas. C'est juste ça. Maintenant qu'il y ait besoin d'argent, il y en a besoin. Ce qu'il faut faire attention aussi, c'est que ça ne devienne pas un appel d'air de captation de nouveaux sources de financement. C'est-à-dire que là aussi, il faut qu'il y ait de la prudence et qu'on ne soit pas juste sur un appel d'air de masse financière juste parce qu'il y a besoin de diversifier ou que ça baisse à gauche. Donc c'est ma position, ce n'est pas anti-Global Fund, il faut bien me faire entendre. C'est dire si c'est très vertical, rigide et que ça nous remet... Bon, toi, tu as travaillé avec nous il y a très longtemps au moment où on avait cette discussion avec le Global Fund. Il y avait des spectrophotomètres pour les bilans lipidiques des patients HIV. Nous, on avait besoin des mêmes bilans lipidiques. Le Global Fund nous dit non, c'est des machines et c'est des réactifs pour les patients HIV. Vous ne ferez pas vos bilans lipidiques. Ça, faut que ça... Pour moi, hein, ça c'est mon message. Je n'engage que moi là-dedans. Ça, il faut que ça s'arrête. Si on a un spectrophotomètre, qu'on peut faire une analyse, que le Global Fund paye très bien et qu'après on puisse l'utiliser, que d'autres peut-être financeurs abondent pour les réactifs pour le diabète, mais qu'on ait une efficacité et qu'on ne se retrouve pas avec une salle de consultation par financeur. Et ben, ça a plus de sens, quoi. On pour va pas moi, s'en sortir. C'est... Alors, il nous reste pas très longtemps. Morgane, tu me donnes jusqu'à quelle heure ? Encore 10 minutes ? 5 minutes, encore 5 minutes. Alors, des interventions courtes. Les deux au fond, qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? Un là-bas, une là. On va faire quatre interventions très courtes, une minute, oui, 30 secondes chacun. Oui, ben, merci Claire pour l'exposition. Moi, j'ai un souci à chaque fois qu'on parle de santé ou autre. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Tous les ans, Forbes nous sort qu'il y a le club des milliardaires qui augmente. Et encore en Afrique, on cite des milliardaires en Afrique. Où va cet argent alors ? Où voilà, va cet argent alors ? C'est une bonne question, il va falloir la fouiller. Oui, je peux. Mais c'est sûr que si les gens et les entreprises payaient leurs impôts, il y aurait de l'argent. Moi, c'est Luc Ngoué, citoyen ordinaire, donc je ne suis pas spécialiste de ces questions-là. Mais je vais renchérir un peu par rapport à la question qu'il pose, un peu polémiste, un peu. Est-ce que le problème n'est pas posé en termes de... Est-ce qu'on va se rendre compte un jour sur le continent africain que l'homme est la matière première du futur et durable et que c'est sur là-dessus qu'il faudra investir, que le reste, c'est du bavardage de cours de récréation? Il y a des études qui ont montré que c'était une perte en pouvoir, enfin en financière, que d'avoir des gens en mauvaise santé, que au contraire les avoir en bonne santé non. Fait gagner de l'argent au pays. Je dis pas ça très bien peut-être, mais c'est exactement ça.
Après, il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Ouvrir le dialogue avec l'OMS, oui. On peut agir. Aller chercher l'argent au Panama, moi, ça me dépasse. Hein. Non, mais c'est pas ça la question. C'est en rapport avec la question que posait le monsieur qui a dit Obama a décidé d'investir 1 milliard, ainsi de suite. C'est une question essentiellement politique, éminemment politique, et de dire... En fait, le problème est que le continent africain n'a pas encore réalisé que c'est l'homme qui est au cœur de tout. Et la finalité de tout. Économique, pas simplement politique. Oui, d'accord. Mais la deuxième question... Sur la fiscalité, ça dépasse les... C'est pas que la fiscalité. Le deuxième point, ma deuxième inquiétude, très courte, c'est par rapport à cette projection des systèmes de santé qu'on entraîne. On parle du socle universel de protection sociale. Moi, si je la projette sur la durée, j'arrive à me poser la question de comment est-ce que cette chose-là va fonctionner sur le continent africain, dans ces pays-là, en rapport avec ce qui se passe tout au moins aujourd'hui. Il n'y a pas de fabrique de médicaments. La moitié de la population est en dehors du système économique. Ce ne sont pas les agents économiques considérés comme tels. Et moi, c'est des questions, en tant que citoyen ordinaire, je me pose, mais au fait, on va financer toujours avec de l'aide, avec l'humanitaire. On va faire comment? Bonne question. Juste, ça va être 30 secondes rapidement. Marc Keller, je suis le coordinateur de la LIAM, et c'est vrai qu'on a parlé des verticalités, et c'est vrai des pathologies. Moi, je me pose aujourd'hui la question, à quoi sert de parler de cancer, de diabète, ou bien de maladies respiratoires et cardiovasculaires, puisqu'ils ont tous les mêmes facteurs de risque, déjà premièrement. Autant attaquer directement déjà à la base, avant d'aller sur le point thérapeutique, aller à la chirurgie. Je rejoins Pierre sur son analyse concernant donc les traitements. En revanche, je pose la question, pratiquement, dans les pays africains, quand on se balade dans chaque pays, à quoi sert la multiplicité des programmes? Il y a un programme qui est programme VIH, programme cardiovasculaire, programme diabète, programme, et à chacun ses budgets. Et on voit bien les riches, ça se voit déjà au 4x4 qu'ils utilisent. Très court, Stéphane. Il y a le rôle. Là, il y a eu la déclaration de Paris. Il y a eu tout un blablabla depuis des décennies sur l'efficacité de l'aide. Et aujourd'hui, pour moi, ça s'engage encore une fois que moi. Ça, c'est du discours. La réalité, elle n'est pas là. On en est très loin. Et tous ces programmes servent à baliser des circuits où l'argent va, où on monitore, etc. Donc à un moment, c'est ça qu'il faut. C'est la stratégie globale qu'il faut changer. Hein. Allez-y. Bonjour, Anne-Valérie Troyes, je travaille chez Total. On n'a pas du tout parlé du secteur privé et de l'engagement des entreprises, mais je pense que comme dans beaucoup de domaines aujourd'hui, les partenariats publics-privés sont certainement une façon d'aborder aussi ces problématiques. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont prêtes à s'engager dans ce domaine et qui vont aller chercher l'expertise là où elle est, à la condition effectivement qu'on ne reste pas clivé. Chacun pensant qu'il a raison par rapport à l'autre. Juste une remarque, ça dépend quel partenariat public-privé. Sur la construction d'hôpitaux, quand on pense à l'hôpital sud-francilien, il y a exactement l'équivalent au Malawi. Ça, financièrement, pour les pays et pour donc les consommateurs, c'est juste une catastrophe. Aussi, je ne savais pas. Aussi en partenariat public-privé? Bon, je ne le savais pas. Je le savais pour le Malawi, mais... Ok, bonsoir. Et en fait, en coût pour le pays, c'est-à-dire au bout de le coût final pour le pays est énorme, monstrueux. Oui, bonsoir. En fait, je suis médecin généraliste du Mali et je suis en formation actuellement en nutrition santé publique à Paris 13. Actuellement, je fais stage à l'IREN, équipe de recherche épidémiologie nutritionnelle. En fait, je vais d'abord commencer par et remercier beaucoup Stéphane parce que en fait ça fait beaucoup d'années qu'il travaille dans mon pays et il aide beaucoup les patients. On n'a jamais eu l'occasion vraiment de se rencontrer physiquement, mais je voulais beaucoup vous encourager dans ce sens. En fait, par rapport au diabète, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé parce que j'ai fait une thèse sur les pathologies médicales en réanimation et à peu près sur le nombre de patients que j'ai à recruter, l'AVC venait en tête, ensuite directement le diabète. Ça fait partie des motivations après qui m'ont poussé à aller vers la nutrition en fait. En plus, après j'ai travaillé à Gao, au nord du Mali, où l'accès à l'insuline dont je vois les gens parlent à chaque fois, c'est que
vous ne pouvez pas savoir ce que ça fait que des patients qui viennent et qui n'ont pas accès à l'insuline et qu'on les perde comme ça, ou des enfants qui font leur diabète de type 1 de façon violente et brutale et qui meurent comme ça. C'est vraiment quelque chose qui est très choquant et ça arrive. En fait, je vais aussi revenir sur le fait que effectivement, il y a beaucoup de gens qui se forment et puis les spécialistes augmentent. Mais il y a un problème de redistribution de tout ça parce que tout ça, c'est concentré en fait à Bamako. Et généralement, dans les localités, il y a vraiment pas de spécialistes. Il n'y a vraiment pas de personnes adéquates pour pouvoir prendre ces choses en charge. Ce qui fait que souvent, ça fait des dégâts invisibles que souvent, on n'évalue pas. En plus... sur le cancer dont ma professeure... On est en train de me faire signe pour que je coupe. Donc vraiment, je vous laisse 15 secondes, mais très court. Et je ne te laisserai pas répondre, Stéphane. OK. OK. Parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire. Ça faisait un moment que je demandais mais la parole. Je suis désolée. Mais par rapport au professeur, en fait, le problème avec le cancer, ce que nous, on a comme problème, surtout, c'est diagnostiqué en fait très tard, quoi. Souvent, les patients viennent en stade de métastase T4, donc, et ce qui fait que généralement, on n'arrive pas à faire grand-chose. Et parce que d'abord, ils se font soigner par les thérapeutes. Avant, on l'a dit tout ça, je suis désolée, je vais vous interrompre parce qu'on l'a dit. Mais par contre, vous pouvez tout à fait parler avec Stéphane après, mais on ne va pas reprendre le débat. Je suis désolée, il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. On est obligé de terminer là-dessus. C'était très intéressant, j'espère qu'on aura d'autres débats sur cette question. Merci beaucoup à tous, merci aux intervenants, à l'AFD d'avoir organisé. Je vous dis deux choses, c'est que vous pourrez retrouver la synthèse sur le blog ID4D, la synthèse de cette conférence. L'intégralité de la conférence qui est filmée, mais vous attendez un petit peu quelques semaines, mais ça y sera. Et vous pouvez continuer le débat, parce que j'en ai frustré en tout cas un. Vous pouvez continuer le débat sur le blog ID4D, donner vos points de vue, échanger. C'est fait pour ça. Merci vraiment beaucoup à tous et à bientôt.